c'est parti. Donc des cartes, j'ai pris la série à pique et deux cartes rouges pour bien les différencier. Et là, on va les mélanger comme ceci. Hop. Comme ça, c'est le hasard. Et en plus, on va les remélanger comme ça. D'accord? D'accord. Hop. Et toi, si tu veux, tu peux le refaire autant de fois que tu veux. Tu coupes et tu mets par-dessous jusqu'à ce que la carte du dessus te plaise. Comme ça, ça sera le hasard. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Et là, elle n'a pas choisi de carte. Pas encore. Oh. Mais elle va en choisir une. Tiens, je vais te faire choisir une carte. Voilà. Maintenant, regarde bien, Zoumette. Tu choisis la carte que tu veux. Tu peux choisir celle qui est dessus, celle qui est dessous ou n'importe laquelle du milieu. Le 10. Le 10 de... De pique. Celui-là. Voilà. D'accord. Choix libre. Maintenant, regarde bien. Ces deux cartes, on les met dessus. Moi, je vais couper pour le faire dans le jeu. Et toi, tu vas couper autant de fois que tu veux pour que la carte du dessus soit celle qui t'intéresse. Comme ça, il n'y a pas eu d'embrouille. Je pars les deux. Là. Je ne veux pas se séparer, alors. Je te dis. C'est bon, voilà. Allez. Maintenant, on va faire une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche. Jusqu'au bout. Et on met celui-là par-dessus ou celui-ci par-dessus. C'est toi qui choisis. Aucune importance. Donc à chaque fois, tu vas coller deux cartes qui auraient été différentes si tu avais collé l'autre côté. On le refait, une à droite, une à gauche. Ça, c'est une dernière fois. Et là, pareil, le choix est libre, celui-là ou celui-là, par-dessus. Réfléchis bien. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Maintenant, le hasard a fait que les deux cartes sont entre 2, 3, 4, 5 cartes. On ne sait pas, on va voir. Ah ! Tu aurais pu emprisonner celle-là, 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 celle-là. Mais t'as emprisonné deux cartes, au hasard. Et si on fait l'addition, 4, 2, 6. Ça fait 6. Oui, c'est bon. Oui, oui, c'était le 6 que j'avais choisi. Non, t'avais 10. Ah oui, 10. Ah, ah bon. Ça pourrait être... Un deuxième bêtise. Oui, mais attention. Ah oui, oui. Derrière, il y a un 7, un 8, un 16, un 15... Un 14, un 4, un 5, et derrière le 10, il y a eh ben, 6, ça marche. Le 4 et 2, 6, et ça mérite des applaudissements. Voilà. Ah, ah. Et tout est donné.